Je veux parler comme les Ivoiriens ne m'en voulaient pas. Je suis Ivoirien après tout quand même. Faut t'arrêter un peu. Dès qu'on envoie la facture, net, tu commences à maudire Dieu. Tu maudis ton patron ou bien ta patronne qui t'a pas donné l'argent et ils ont envoyé la facture. Mais faut bien que la facture arrive, non? Amen. Et ça, ce sera pour le dimanche prochain. Mais quand ça vient là, la date n'est pas encore arrivée. Mais patiente un peu, dès que tu viens, tu es étouffé, tu es angoissé, tu es compressé, tu es comprimé, tu es inquiet. Et tu tombes malade en même temps. Maux de cœur avec ulcère. Avec des maux de tête. À cause d'une simple facture. Et tellement tu aimes manger tout, tellement tu n'aimes pas avoir fait, tu refuses de payer, mettre un peu d'argent de côté, tu manges tout ce que tu gagnes, tout ce que tu gagnes, tu payes, tu payes, tu payes, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, jusqu'à ce que tu as mangé la journée de ton projet. Il y a des chanteurs sur vous qui ont dit que, il y a des gens tellement ils ont bu bière. Si une brique égale à 250 francs, il y a des gens qui ont fini par avoir des immeubles. Tellement il a bu. Et il y a des mangeurs comme ça, du matin jusqu'au soir. Si Dieu se tombe pour lui donner 10 000 francs, du matin jusqu'au soir, 10 000 francs est fini. Parce que c'est un mangeur et sa bouche ne peut pas s'arrêter. Un appétit satanique et démoniaque. De sobriété que je ne peux pas expliquer. Amen. Est-ce qu'on peut faire un peu de rigueur sur nous? Alléluia. Si tu veux réussir, tu dois avoir un bon cœur. Si tu veux réussir, tu dois te lever et agir. J'ai déjà dit que les gens qui réussissent se lèvent pour travailler, se lèvent pour agir, se lèvent pour faire des démarches, se lèvent pour faire des choses, posent des actions. Des gens qui ne réussissent pas se contentent de réfléchir, de penser à des choses, de dormir et de rêver. Donc il y a une différence entre les rêveurs et des personnes qui agissent. Il faut être une personne d'action, une personne qui agit, une personne qui se lève pour travailler, pour faire des démarches. Je vais chercher le magasin, je vais chercher le coin, je vais voir la marchandise, je vais voir qui va me livrer. Des personnes dorment et il y en a qui travaillent. Il y en a qui dorment et il y en a qui travaillent. Ceux qui dorment, bon, n'ont pas encore dormi. Qui dorment encore? Ceux qui travaillent, que Dieu vous bénisse. Bon, si tu dors, faut te réveiller. Amen. Il y en a qui reportent tout à mes mains. Demain, je vais faire ci. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. Tout ce que tu entasses, tu accumules, va finir par t'enterrer. Parce que tu as tellement reporté les choses à tes mains et tout va s'entasser et c'est ça qui te tue. Sors de la paresse. Sors de la peur. Pardonnez-moi si je parle beaucoup de ces personnes. Ces derniers temps, vraiment, c'est. Je passe du temps à les. Quand les gens parlaient avec Aliko Dangote parce qu'ils ont fait son interview, les gens ont dit, mais comment tu fais pour être riche? Il a dit beaucoup de choses, mais quand il a fini, les gens ont retenu que s'il devait faire le résumé de tout ce qu'il a dit, c'est que rien n'est impossible. J'ai dit quoi? Mais quand il a dit ça, ça m'a. J'ai dit, mais il parle comme si c'était. S'il était le Seigneur. Il dit, rien n'est impossible. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois en Dieu, tu peux tout faire. Si tu penses que tu peux arriver à faire telle chose, que tu dois arriver ici, Dieu va t'aider. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tu peux t'élever, tu peux te battre. Ce problème-là, tu dois le vaincre. Tu dois le renverser. Tu dois le dépasser. Tu dois le surpasser. Tu dois l'écraser, le renverser. Tu ne comprends pas, Dieu veut des vainqueurs, des battants, des conquérants, des gagnants, des soldats, des gens qui ont du cœur, du courage, de la force, de l'audace, de l'autorité pour s'élever.
challenger quelqu'un ce matin. Est-ce que je sais dire à quelqu'un que tu es un gagnant, que tu es fort, que tu es battre, que tu es conquérant, que tu es vainqueur. Je sais dire à quelqu'un que la victoire est assise dans tes os. Chasse la peur, chasse la crainte, chasse la paresse, chasse l'inquiétude, lève-toi, combat, travaille, prie, lève-toi. Thank you.
Ma prière est que le feu de la gloire s'allume dans ton cœur. Que le feu de la vengeance, pas la vengeance sur les hommes, mais la vengeance sur la situation. Que tu sois enragé. Je parle au cœur à des personnes qui vont dire au diable, qui vont dire au démon de la situation. Assez, assez, assez. Si je pouvais parler de mariage, je veux dire à quelqu'un que Dieu est au départ et Dieu doit être au départ. Je voudrais encourager un frère qui veut se marier, faire un plan clair, un objectif. Quand je parle de plan, je parle de calendrier. Fixe-toi une date. Dis à telle période, je vais faire la danse. S'il te plaît, commence à travailler par rapport à ça. Et qu'on sent les sacrifices. Je veux partager l'histoire de cette femme-là et c'est là que j'ai terminé. Je voudrais parler du mariage, mais je ne sais pas si je pourrais continuer. Il y a une dame, cette femme-là, elle était secrétaire. Et voici ce qu'elle m'a conté comme histoire. Elle dit qu'elle voulait bâtir une maison, mais elle n'avait que son petit salaire de secrétaire à la fonction publique. Elle avait une seule fille, elle vivait avec sa fille. Elle a appelé sa fille, elle lui a dit on va construire une maison. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des économies. Comme on a un canal, on va supprimer le canal. Comme chaque semaine ou quelques semaines, on va au salon, on va arrêter de partir au salon. Moi-même, mon déjeuner, je vais supprimer les déjeuners. Elle a commencé à enlever tout ce qu'elle trouvait, qu'on pouvait supprimer. Et elle a économisé, elle payait un sac de ciment, deux sacs de ciment, ainsi de suite. Parce que la facture de canal, ça fait 5 000, 26 000 par mois, non? Mais ça fait un sac de ciment ou deux sacs de ciment par mois. Elle dit que chaque mois, elle allait au salon, quand elle se coiffe, les parties de mèche, pour le paquet de mèche, puis la coiffure avec la même deux, ça fait autour de 15 000, 16 000 par mois. Et tout ça, elle a supprimé, elle a commencé à mettre avec son DGD. Et elle a fini par construire la maison. J'ai vu la maison, une belle maison, une duplex à la Riviera Palmeret qui a été construite par une secrétaire. Je suis en train de dire, si nous ne faisons pas de sacrifices, s'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas de sérieux, nous n'allons pas réussir quelque chose. Même dans ta vie chrétienne, tu as besoin d'éliminer le péché, tu as besoin de prier, tu as besoin de lire la Bible dans le sérieux. Si tu veux te marier, frère et soeur, je vais surtout parler aux frères, commencer à faire un calendrier, dire à telle période, voici ce que je vais faire. Et vous travaillez en fonction. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.